C'est aujourd'hui qu'on s'en va de Phoenix. Comme vous pouvez voir, je suis cernée. Écoute. Le sommeil va être bon. Tous mes bagages sont prêts. Il est 3h11 du matin. Mon Uber vient me chercher à 3h40. Fait que je vais peut-être boire un petit quelque chose en attendant. Ça a l'air de rien comme ça. Mais j'ai fait faire mon passeport pour aller à Phoenix à ce voyage-là. On était supposé être une méchante gang à prendre l'avion le même jour. Puis les péripéties commencent que j'ai pris mon vol une journée d'avance sur eux. Puis je savais pas. Fait que j'étais arrivé le 4 au lieu du 5. Fait que j'étais comme un 24 heures tout seul à Phoenix. Après ça, j'arrive là-bas. Mon chargeur de téléphone décide qu'il fonctionnait pas, puis il fonctionnait juste avant de partir. Après ça, moi, j'avais rencontré des filles des Agenix dans l'aéroport. Ils étaient à Phoenix en même temps que moi, mais je connaissais pas leur nom. Fait que s'il m'arrivait quelque chose, jusqu'à temps que mes amis arrivent, je connaissais personne. Fait que j'ai fait beaucoup de stress jusqu'à temps que mes amis atterrissent. Après ça, ça a été vraiment correct. Puis quand les formations ont commencé, c'était juste magique, là. La foule de personnes dans le monde de Isagenix qui étaient sur place, c'est magnifique voir ça. Puis même si on se connaissait pas, on était toutes comme une grande famille. J'étais la seule en chaise roulante sur place. Fait que c'est sûr que j'étais reconnue, visible. Tu sais, en chaise roulante, veux pas, tout le monde te reconnaît. Puis en plus, la mienne passe pas inaperçue, elle est rose. Fait que tout le monde cherchait à m'aider quand ils voyaient que j'étais toute seule. C'était vraiment hot pour vrai. J'aurais jamais pensé vivre ça. C'est un événement qui est magique. Puis du monde qui me connaissait pas, qui venait me parler comme ils me connaissaient depuis toujours, genre. Là, j'ai monté sur scène en plus, ce qui était clairement pas prévu, ce que j'avais pas été prévenue non plus. Mais c'est bien comme ça parce que j'ai pas pu anticiper ce moment-là. Excusez-moi d'avoir pas vraiment filmé dans l'avion. Mais le premier vol, je me suis reposée, j'étais tout seule dans ma rangée. Puis le deuxième vol, il était full. Genre, il restait pas un siège de libre. Et le deuxième vol a duré 5 heures. J'avais mal au foufoune en atterrissant. Euh,
Puis en atterrissant, la porte de l'avion était bloquée, celle d'en avant où qu'on passe. Fait qu'il a fallu qu'il ouvre celle d'en arrière. Ça a pris 1 heure vider l'avion au complet. Avec le genre d'ascenseur géant. Et après ça, on est sorti de Montréal. Puis on est arrêté manger au IW à Berthierville. Parce que j'avais vraiment faim. J'avais pas mangé depuis la veille au dîner. Parce que. Vu que j'ai été malade dans le deuxième avion, ben j'ai pas pris de chance, puis j'ai rien mangé, rien bu. Comme ça, je peux pas être malade de quelque chose que j'ai pas mangé. Là. Retour à la routine. Fait que j'espère que vous avez aimé ces vlogs de voyage, puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao!